Bonjour à tous, ici le Belge et Flapix, nous espérons que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du secret de la map zombie du DLC 3 de World War 2, le chemin tortueux. A savoir que le chemin tortueux c'est un mod, et non le zombie nazi. Ceci est constitué de 3 chapitres différents, autrement dit 3 maps. Donc le secret de ce mod est réalisable en solo et à plusieurs. Vous devrez réaliser le secret de ces 3 chapitres en une seule tentative et uniquement en partie publique pour le réussir et obtenir la scène finale. Si vous échouez, vous devrez recommencer depuis le premier chapitre. Une vidéo pour savoir comment réaliser le pack-a-punch de chaque map est disponible en description. Avant de commencer, il est important de bien s'équiper. Comme arme de départ, on vous recommande fortement le SAP 9mm Akimbo et de créer votre classe comme affiché à l'écran. En coop, un seul joueur prendra la classe choc. Les consommables vous faciliteront grandement la tâche. Quant au diable en boîte, ils sont indispensables et s'obtiennent aléatoirement en achetant des armes sur les emplacements disponibles. Et ces emplacements, vous les débloquez en réussissant des manches défis. Pour réaliser le secret dans ce premier chapitre, vous devez recomposer un zombie à l'aide de 6 membres à trouver dans la map. Vous devez récupérer le tronc, la tête, 2 bras et 2 jambes. Un plan s'affiche à l'écran pour vous aider à localiser les membres. Vous devrez ensuite tirer sur cette corde, celle-ci tombera dans l'eau. Passez la manche et à la manche suivante, hissez cette branche hors de l'eau à l'aide de votre touche d'action et récupérez la corde. Une fois la corde récupérée, une ancre descendra du ciel faisant apparaître ces 2 barres en fer. Vous devez les récupérer. Ensuite, allez jusqu'à la manche 5, la manche la plus importante de ce secret. Celle-ci fait apparaître des buslings et leur bras vous servira pour la suite. Si les buslings ne font pas tomber leur bras à la manche 5, vous pouvez recommencer votre partie. Pour l'obtenir facilement, faites entrer 2 buslings en collision. Ce bras sert à stopper le moulin. Il faut que ce côté du moulin soit pile à 6 heures. Voici un repère pouvant vous aider. Une fois cela réalisé, placez les éléments sur cette pale du moulin et remontez le zombie, mais cette fois la position doit être à midi précis. Si bien effectué, le tonnerre retentit et vous pouvez dès lors passer à la manche 6. La foudre frappera le haut du moulin et fera tomber le zombie et celui-ci s'écrasera. Passez à la manche 7 et attendez ensuite qu'il se relève. Une fois relevé, vous devrez l'escorter par l'arrière du moulin, et ce jusqu'aux décombres de la maison. Une fois atteint, le zombie se glissera sous ces derniers. Passez à la manche 8 et, une fois ceci fait, le zombie ressortira des décombres avec une batterie qu'il vous faudra remplir d'âmes de zombies. Mais attention, car des bombardiers ainsi que des vesslings, en plus des zombies normaux, viendront attaquer ce zombie. Une fois que la batterie aura capturé assez d'âmes, le zombie meurt, laissant la batterie à même le sol. Récupérez-la et insérez-la dans cet endroit. Vous pourrez dès lors récupérer la poignée, et ce, pour tous les joueurs présents dans la partie. Vous débloquez également tous les atouts de la map, et le secret du chapitre 1 est terminé. Maintenant, il faudra juste vous équiper et affronter le boss final de ce chapitre. Ensuite, attendez pour prendre la fuite, ce qui signifiera votre victoire sur ce chapitre. Commencez par frapper cette batterie afin d'activer la vision et passer la manche. Dès que la manche 2 commencera, 9 poissons vont apparaître dans la map. Vous devrez leur tirer dessus. Un plan est disponible sous vos yeux pour trouver leur emplacement. Une fois cela terminé, un poisson va apparaître et se posera à un endroit. À cet endroit, vous devrez déposer une batterie dans le dispositif sous le poisson. La batterie est achetable pour 3000 points et peut apparaître à plusieurs endroits. Soyez donc économe. À votre écran défilent les emplacements où vous pouvez acheter cette batterie. Cette batterie devient un capteur d'âme. Vous devrez donc tuer des zombies juste à côté pour la charger. Une fois la batterie chargée, le poisson changera de place.
Vous devrez attendre la fin de son trajet et vous verrez à nouveau un emplacement de batterie. Refaites la même opération une seconde fois en achetant une nouvelle batterie. Après avoir répété l'étape, équipez-vous et améliorez impérativement vos SAP 9 mm. Après ça, le poisson ira à un troisième et dernier endroit. Il vous faudra à nouveau placer une batterie pour 3000 points et remplir la batterie d'âme de zombie. Vous serez ensuite téléporté dans un monde parallèle où trois épreuves de survie classiques vous attendent ainsi qu'un parcours. La dernière étape sera une partie de Monto en trois phases. Le poisson ira dans un seau, ce dernier bougera, à vous de retrouver l'emplacement du seau dans lequel se trouve le poisson. Si c'est un échec, des zombies comme le Wessling ou le Moichler vont apparaître. Attention, plus vous vous trompez, plus il y aura d'ennemis. Soyez vraiment attentifs, au premier passage il y a 3 sauts, ensuite 5. Puis 8. Une fois réussi, vous revenez sur le bateau avec tous les atouts. Le pommeau est disponible sur la table dans cette caisse à côté du pack-a-punch. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à finir la map et affronter le boss de la carte afin de valider le secret de ce chapitre et enfin passer au troisième. Pour commencer, frappez cette batterie 3 fois pour l'activer. Et passez à la manche 2. Activez la vision, vous devrez dès lors trouver un code dans la map. Pour avoir plus de facilité à le trouver et à le lire, emparez-vous d'un fusil de précision avec lunettes. Un plan s'affiche à votre écran afin de vous montrer les différents emplacements. Ce code est à introduire dans la porte près de double coup, à l'aide de votre touche d'action. Si bien inséré, la porte s'illuminera et un son s'émettra. En cas d'échec, appuyez sur d'autres lettres afin de réinitialiser le code et entrez-le de nouveau. Ce code vous fournira la poignée de Barberousse. Vous devrez dès lors passer la manche pour la récupérer. Ensuite, il vous faudra la placer sur son endroit à l'hôtel, dans la salle centrale. Après cette étape, une caisse avec des fusées apparaîtra au spawn sur ces escaliers. Prenez-les et éclairez les 4 flambeaux dans la salle centrale ainsi que ce pot. Attention que les fusées éclairantes remplacent les diables en boîte. Attention que si vous mettez trop de temps, vous devrez rallumer les flambeaux déjà allumés auparavant. Ceci bien fait, le mur s'ouvrira, laissant apparaître une rune. Prenez-la et insérez-la sur la porte. La manche suivante, répétez l'étape mais avec un nouveau code cette fois. Trouvez le code et vous devrez entrer ce code de la même manière que le précédent. Celui-ci vous donnera le pommeau, passez également la manche afin de le récupérer et allez dans la salle centrale le placer. Ensuite, chaque joueur présent dans la partie doit se placer sur une des plaques situées sur chaque côté de la map. Restez posé dessus et éliminez les zombies, vous approchant avec tous les moyens dont vous disposez. En solo, une seule plaque sera demandée. Un son sera émis si l'étape est réussie. Les statues de la salle centrale crachent alors du sang, faisant tomber la dernière rune. Allez la récupérer, puis introduisez-la ainsi que le troisième et dernier code sur la porte. Celui-ci vous donnera la lame de l'épée. Rendez-vous au centre de la map afin de poser la lame sur l'emplacement qui lui est réservé. Activez alors le rituel à l'hôtel. Ceci fait, l'épée sera alors assemblée et vous obtenez tous les atouts. Ensuite, vous devrez affronter le boss. Pour plus de facilité, sortez-le de la salle centrale et infligez-lui des dégâts en utilisant vos armes, de préférence les SAP 9 mm.
Attention, si vous restez trop près de lui, il réduira votre jauge de spécialiste avec son attaque. Tenez-vous donc assez loin de lui. Une fois qu'il aura perdu pas mal de points de vie, il ira se réfugier au centre de la salle pour reprendre sa vie. Vous devrez tirer sur la tête des statues illuminées en rouge. Une fois cela correctement effectué, le boss s'écroule et vous pourrez l'attaquer en visant la tête qui s'avère être son point faible. Une fois le boss vaincu, fuyez et la cinématique de fin se lancera. Nous espérons que ce tutoriel vous aura aidé et qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu en guise de soutien et de vous abonner à nos deux chaînes respectives si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.